L'Allemagne commémore ce week-end les 75 ans de la nuit de cristal, pogrom géant contre les juifs qui avaient révélé la violence antisémite du régime nazi. Une grande campagne d'affichage a été mise en place à Berlin, un film collé sur les vitrines et devantures donne l'impression qu'elles ont été brisées. Une centaine de magasins ont décidé de jouer le jeu pour ce devoir de mémoire. Il faut sans cesse rappeler aux gens à quel point nous étions des bêtes féroces à l'époque. Ce que je trouve absolument horrible, dit cette dame. Il y a des gens d'origine différente, de partout dans le monde, ici, et chacun doit se sentir heureux. À Berlin, en Allemagne, il ne faut jamais oublier, toujours se rappeler pour que quelque chose d'aussi affreux ne se reproduise pas. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, près de 300 synagogues et des dizaines de milliers de commerces juifs ont été endommagés ou détruits à travers le pays. Quelques 30 000 juifs ont également été arrêtés et déportés. D'après les historiens, les nazis voulaient tester l'opinion publique allemande face à la montée de la violence antisémite. Outre la campagne d'affichage sur les vitrines, les commerçants mettent aussi à la disposition des clients des panneaux d'information.